Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes amis. Je vous retrouve pour cette deuxième partie sur le Road to Ultima Arma, ou plutôt l'Ultime Keyblade. Voilà, j'avais envie de vous retrouver vraiment aujourd'hui pour un nouvel épisode. Très content, je vous dis, nous continuons notre aventure. Nous allons aujourd'hui faire le portail numéro 10 pour débloquer le dernier cristal pour obtenir le schéma de la Keyblade Ultime. Nous sommes partis. Hop. On a débloqué dans l'épisode précédent la Keyblade Tendre Promesse, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je m'enseigne comment on débloque le putain de Keyblade Souvenir là, Souvenir Perdu, pour voir comment est-ce qu'on peut la débloquer, parce que j'avoue que j'aime bien la voir. Ouais, il y a toujours des vagues d'ennemis, quoi. Et là, c'est très long, hein. Voilà. Vous voulez un début de incroyable? Bah voilà, vous l'avez. Et bah voilà, moi, ce qu'il me faut, c'est ceux qui sont en hauteur là. Et tu te pètes les couilles parce qu'ils te font tellement mal. Et ça, c'est bien que je l'ai pas eu. Peut-être qu'il faut le terminer en fait. Les amis qui font. Voilà, vous voyez, eux. Il faut les tuer, eux. Parce que eux font vraiment très mal. Non mais sérieux? Mais vous avez vu les dégâts qu'on fait? Mais n'importe quoi! Mais pardon? On vient de défoncer. On vient de les éclater quoi. Mais pardon? Mais pardon? Ah vous me dites si je vous aime hein? Non mais y'a plus de. Non mais je me demande même si elle est pas plus puissante que l'ultima quoi. Ah, vous imaginez l'ultima amélioré? Putain, j'ai... Oh là là! Ah ouais, ça peut être bien aussi en... Après, l'ultima est pas très compliqué à obtenir. Je pense qu'il faut pas non plus imaginer 36 heures. Je pense qu'une petite dizaine d'heures, c'est bon, quoi. Une petite dizaine d'heures en comptant les heures de jeu, hein. Pas non plus... Je sais pas, hein. C'est pas non plus insurmontable, hein. Moi, j'ai rien fait, je pense pas. Allez, ah mais les ennemis quoi, les rondouillards à la base sont vachement chiants parce que là ils ont 2 PV, la forme vive. Non mais ça. Ils ont pas rien faire quoi. Ils perdent leur vie tellement rapidement. Non mais on est vraiment trop puissant je trouve. Genre excusez-moi hein. Mais là franchement... Genre non, franchement elle est super bien. Pardon. Alors franchement, faut que je vous allez bien de acheter le jeu quoi. Genre, il va rien comprendre. Mais franchement, qu'il fasse le jeu. Merde. Pour ce jeu, juste pour faire la facilité quoi. Alors, le jeu est tellement justice, c'est incroyable. Bien sûr, c'est plus blade là. Et là, femme. Ouais, c'est bien. Mais là, il faut un mec. Je vais galérer là. Eux ils font très très mal. Hein. L'animation c'est à peu près la même que pour seconde forme de la première Keyblade hein, de la chaîne royale. Mais elle fait déjà beaucoup plus mal. On avait trop de trucs là. Non, c'est toujours des soldats cuirassés. Alors, Cristal Yalin, c'est quoi qui me donne ces trucs là? C'est des voix, c'est ça, c'est des formes en bite. C'est des forts bandits, pas des formes en bite. Ouais, excusez-moi. Hein. Je vous explique, je tourne, il est 2h17 du matin et il fait assez chaud donc. Est-ce qu'on l'a débloqué? Là, c'est la question. Est-ce que on a débloqué le cristal Yalin? Putain, toujours pas. Eh ben, on va refaire.
Je la trouve tellement, tellement sympatoche en vrai ce truc là. Ah, mais c'est le dernier qu'il me faut, les mecs. C'est le dernier qu'il me faut. Et après, on aura tout. Parce qu'en plus, il me faut deux cristal yal, hein. Putain. Oh là là, on va galérer. Après, il nous faudra 7 oricales plus. Et ça, on va s'amuser aussi. Hein. Les oricales plus, c'est pour l'ultima tout simplement. Et on aura ultima normalement l'épisode prochain. Je vais rester sur le chrono. Hein. Pas besoin non plus de. Pas besoin de beaucoup regarder. Quoi. Alors, arrête d'être plus courte en cette vidéo, du coup, vous doutez bien que bon. En attendant, on est déjà niveau 6, quoi. Pardon. Mais j'ai juste vidé. N'importe quoi. Oh, j'aime Yaline. Oh. Tiens Yaline. Tiens Yaline. J'aime ressourçant. Tiens. Putain, on a que des Tiens Yaline, quoi. Tiens Yaline. On a que des. On a que des Tiens Yaline, on a pas eu des Tlayala. Attends, lui il fait mal hein. Enfin, sans déconner, il fait très mal. J'aime Yaline. Oh là là. Ah, vas-y. Et oui, c'est lui qu'il nous faut, c'est lui qu'il nous faut. Donc là, pour lui, il faut qu'on ait ce cristallia là. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, c'est ça où je sens que j'arrête pas de jouer tant que j'aurai pas ce cristallia là. Enfin, c'est soit je ça, soit je vais me toucher. Mais ça peut durer longtemps. Il me l'a faut pour ce soir. Ultima, non, ultima, de toute façon, on l'aura pas aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de l'avoir aujourd'hui. Après, bon. Si on réussit à trouver tous les trucs qu'il nous faut, on galère pas trop. On peut vraiment tout faire ce soir, hein, y a aucun souci. Enfin, moi je peux vraiment tout faire ce soir. Salut. Bon, par contre, t'évites de me faire autant de dégâts quoi. Peut-être moins un petit peu quand même. Allez, bateau pirate. Le meilleur thème pour moi c'est je sais pas en vrai c'est le meilleur thème pour moi mais en fait les thèmes se ressemblent plus ou moins. Enfin, on l'a toujours pas eu. Il faut vraiment qu'on l'ait hein. Je suis désolé mec mais là il faut qu'on l'ait celui-là. Putain le cristal Yalin là. Ouais, je l'ai, je suis trop content. Je l'ai, je suis trop content parce qu'on peut enfin débuter la quête pour l'ultima quoi. Donc il faut qu'on ait ce cristal quoi. Genre moi je peux pas arrêter tant que j'ai pas l'ultima. Je peux pas arrêter tant que j'ai pas le cristal Yalin. Après je peux arrêter si je veux, mais j'arrêterai pas tant que j'aurai pas le cristal Yalin. C'est genre pas possible. J'ai déjà le Media Elsir. Il y a plein de trucs hein. Oricalque. Un autre oricalque. L'attaque à l'Elstrem. Ah oui. Là on a tous les attaches machin, là on a tous les zen. Qui augmente un petit peu tout quand même. La barre Mickey qui augmente modérément l'attaque. Ouais, c'est vrai que pas mal. Et énormément la magie, tu m'étonnes. Là, collier ultime qui confère divers bonus. Ouais, donc concentration. Et là on apprend à tout ce qui est. Truc chiant quoi, récupérer à chaque fois. Hein.
N'est-ce pas, hein, n'est-ce pas, la nette où j'ai passé vraiment 4 heures à en trouver. Ah ouais, je vous le dis, hein, j'ai été très bon, la fraise, orange, banane, raisin, melon, pastèque. Et ouais, il me faut... Non, c'est pas ça. Oh putain, on y est presque, quoi. On y est vraiment presque. Dégoûté. J'essaie de voir les monsieur Mog pour voir si je peux pas au final la créer, le cristal Yala, et débloquer directement parce que j'ai énormément de pierres au final. Très bien. Donc là ouais, je me rends à l'autre bout, bon c'est plus long, mais enfin. Quoique, avec la maniabilité bateau du truc, je me dis c'est peut-être plus rapide comme ça. À la pierre, hop. Quoique, enfin si ça va, ça c'est rapide. Hein. Au final, on va aller voir. Vous allez voir que nos amis ils vont arriver en 3 secondes chez avec nous. Voilà, on se retourne. Et voilà. Incroyable. Hein. Et Jack, il est où? Oh putain, Jack est là. Et oui! Et oui! Ouloulou! Yes! Alors attendez, vibrant et Yalin, il faut. Oh yes! Yalin. Yes, et deux vibrants. Oh yes! Putain, on a réussi! Et du coup, ben, il ne reste plus grand chose au final à récupérer. Mais j'en ai plus. Attends, j'ai bien fait des cristalliers là. Attends. Oh putain, imagine, j'en ai pas fait. Non mais attends, je comprends pas là. Ah putain, faut que je recherche des cristals ressourçants. Avant, j'ai save the queen. Après, on recalque, moi c'est recalque plus, on est d'accord. Les save the king, ouais c'est un oracle. Putain c'est ouf, on a réussi à débloquer notre truc. Par contre Donald lui il se met bien. Attendez, on passe de 62. Que 64? Ouais d'accord. Par contre on va aller chercher deux cristals ressourçants. Cristal ressourçant, ça se trouve où ça? Bah, ça marchait pas, donc je sais pas, il s'est passé un truc. 11-12. Putain, 11-12 c'est où ça? C'est encore... Ah ouais, merde. C'est un chien. Pour retourner au nouveau héros. Au pire, on fera tout au nouveau héros. On va pas non plus à chaque fois faire des allers-retours, tout ça. Donc là, bah, normalement, on va obtenir Ultima ce soir, du coup. Parce que au final, les oracles que plus, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a que 7 dans tout le monde. Bon, c'est assez rapide en plus, je trouve, à faire. Carte de sud jour, voilà.
Attendez, je vais aller voir ça tout de suite en fait, parce que du coup, étant donné qu'on a juste besoin de refaire le 10-11 assez rapidement, alors dans un coffre. Ah! Quatre emblèmes fétiches, bon bah ça je les ai du coup. Trouver les 10 trésors des mini-jeux luge alpine. Ah, ça les 7 défis. Ah oui, il fait la machine Omega. Ah ouais, mais ça faut le faire aussi ça. Ah, donc on l'aura peut-être pas ce soir alors. Dans le monde final, je l'ai dans l'île de l'île dans les Caraïbes. Et ben on ira voir ça en fait. On ira voir ça. Mais en premier lieu, on va aller rechercher des cristals ressourçants. J'ai encore fait me tromper, donc bon. On va aller grimper là-haut. Non mais, frère. Ah ok, ça va. Oui, j'ai compris, c'est bon. C'était pas là du tout quoi, c'était en face. À chaque fois c'est plus rapide. Donc là on va récupérer ça. Non parce qu'on doit. En fait je vais vous dire, mais pour avoir l'ultima, bon il nous faut. Il faut 7 Aurica. Auricalque plus. Donc les 7 Auricalque plus, il n'y en a que 7. Il n'y en a que 7 dans le jeu. Et c'est les 7 que pour l'ultima. Il y en a un dans l'île de l'île-ville dans les Caraïbes, il y en a un dans le monde final, dans un coffre que j'ai déjà récupéré. De manière aléatoire, en postant une carte postale, ça je les ai. Du coup j'ai celle des 30 emblèmes. Et j'ai celle des fantastiques. J'en ai 4. Alors normalement j'en ai 4, mais je crois que je n'ai pas celui sur l'île de l'île-ville. Et on pourrait essayer de faire les 10 trésors de mini-jeux. Et on va essayer de pas mal farmer aussi la machine Omega de vaisseau Gumi. Parce que c'est elle qui nous manquera en fait. Et pour le platine, on a un trophée, c'est. C'est pas trop ça, je voulais. Là, c'est bon, on en a déjà. Quoi. Le tas de ressources en bas, voilà, on a déjà. Quoi. Il en faut combien? Je sais plus. Et assez d'un an, on en a comment? Ah! Ok. Ok, bah j'ai mes ressources en bas, on en a plein. Hein. Là, après, ouais, bah les cristals ressourçants aussi, vas-y. Bah oui. Franchement, eux, ah ouais, non, mais eux ils donnent masse quoi à chaque fois. Ah si, au final, on va peut-être pouvoir l'avoir ce soir l'ultima. Oh yes, mec. Mais... Mec, on va peut-être pouvoir avoir l'ultima ce soir quoi. Ah bah j'avoue que si on peut vraiment l'avoir ce soir l'ultima, je suis partant quoi. Non mais mec, les cristals ressourçants quoi. Voilà. Alors attends, un club sur l'île de l'île. Je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Moi je veux bien, mais. Attends. Île de l'île. Il y en a beaucoup hein, quand même. Hein. Ça doit être vers la fin, je pense. Attends.
attendez, parce que j'essaie de trouver l'île de l'exil. Ah merde, c'est là. Île de l'exil, là c'est où? Ah bah attendez, on va chercher, c'est plus facile, on récalque plus. Ah bah il est là. Ok, bah voilà. Excusez-moi pour le micro. Je l'ai trouvé, le recalque place il se trouve au centre de l'île de l'exil. Et au final j'avais pas vu, c'était noté, c'est le 12e coffre. Alors, en plus j'en ai trouvé aucun je crois. On peut pas voir là-dessus je crois. Maintenant sur le machin. Non, on peut pas. On va aller là directement parce que c'est pas très très loin le bateau à chaque fois donc je suis très content en tout cas à chaque fois de vous retrouver sur une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts 3. C'est vraiment trop trop bien, franchement là, je prends un plaisir incroyable à y jouer. Et normalement bah, on devrait obtenir en final les trucs assez rapidement. Le seul truc chiant ça va être de récupérer, de défoncer parce qu'il nous faut, hein, là on peut le dire très clairement, de défoncer un des ennemis. Donc, je vais retourner sur quête annexe. Et maintenant il nous faut l'ultima. Donc là maintenant on va arriver sur bah, le final quoi de ce jeu. En tout et pour tout. Voilà, on va aller dans création d'objets et on va aller sur Ultima. Qui est à la fin si je ne me trompe pas. Normalement oui. Je ne le vois pas. Où es-tu? Où es-tu? Ah non mais ça je suis con ça. Mais bien sûr, c'est au tout début, c'est dans arme, je crois. Là, c'est protection. Ah, arme, voilà, ultime arme. 7 recalque. Et après, c'est tout de. Ça, vous savez quoi, on va voir un petit peu ce que j'ai pas ici. Oh, objet créé. Mais on a tout, pratiquement. Après, je crois qu'il faut créer un objet de tout type. Je crois qu'il y a un succès comme ça. Je voulais voir quoi moi, trésor. Allez, Olympe, franchement. Le monde final, vous voyez, je l'ai eu. Je me demande bien si je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu. Donc voilà. Alors on va aller sur l'île de l'exil. L'île de l'exil, c'est où? C'est ça. La chambre de la hanche. De la machin, de l'araignée. L'abandonné. Je l'ai pas débloqué, c'était. Ah elle est là. Ok, je l'ai pas débloqué en fait, tout simplement. Donc oui c'est ça qui est très bien, parce qu'on peut se TP maintenant avec un bateau. Je suis très content. Ça donne pas mal de choses. Faut qu'on améliore le bateau à 100%, il y a plein de trucs à faire et c'est trop trop bien. Franchement moi je prends un plaisir assez monstrueux au final à revenir sur le jeu. Malgré que le jeu m'avait très déçu, je trouve, sans déconner, et attention à ça je le dis, mais vraiment avec tout le respect de Kingdom Hearts, vous savez, voilà, l'île elle est en face, que Kingdom Hearts 3 en termes de farm est plus plaisant.
Merde. C'est un peu chiant ce truc là maintenant. A real pirate isn't scared to explore. Yes. Captain Sora. Le cap se trouve au centre, si je comprends. Non, je l'avais vraiment pas, c'est le coffre de merde. C'est fou. Oh. Ah, je vais aller installer les ennemis, allez. Les ennemis qui vont faire quoi? Qui vont faire 2 secondes sur le reste de la berge quoi. On peut récupérer aussi pas mal de petits crabes parce que bon les crabes c'est chiant mais... Ah il est là. Alors quelques pouces, il est trouvé. C'est pas mal le crabou. Ah, c'est crabou. Ah c'est bon on peut partir. On a tout. Alors on va aller sur les matériaux. Hop. Et on va aller tout en bas. Alors. Le aléatoire, on l'a eu. Du coup, attends, ça fait. Normalement, on en a 5 objets. On va aller là. Et Oricalque. Pardon. Alors, comment dire, en étant sympa, je comprends pas. Pourquoi est-ce que je n'ai... Pourquoi j'en ai qu'un seul? Attends. Non, là, il y a un problème. Pourquoi j'en ai qu'un seul? Mais what the fuck? Pourquoi j'en ai qu'un seul? Aurait quelques plus. Eh, j'en avais masse la dernière fois. Attends, il y a un souci, là. Il y a un souci. Un gros souci là. Là on a un gros souci. Attendez. Là on a vraiment un très gros souci là. Là je rigole vraiment pas là-dessus là. Encore tout à l'heure j'en avais. J'en avais 5, donc là normalement je dois en avoir 5. Là j'ai fini les 7 fantastiques, j'ai les 80, j'ai le coffre du monde final, j'ai le coffre de l'île de l'Exil et j'ai la boîte aux lettres. Normalement je dois en avoir 5. Pourquoi là si j'en ai pas 5? On attend, hein. Pas intérêt qu'il m'ait fait le coup du ah et non t'as pas parce que t'as pas non genre vraiment si je l'ai j'ai pas mes trucs bon, attendez si j'ai pas mes trucs franchement je m'énerve
C'est bon, attendez, mais déjà, c'est normal, je vais prendre une petite serviette. Parce que là, je suis littéralement en train de suer ma race. N'est-ce pas? Ah, il fait tellement chaud, les mecs, vous savez pas à quel point là. Il y a la console, tout ça qui fait. Vous savez, ça frotte un petit peu contre la serviette, mais bon, j'ai quand même les cheveux longs, j'ai pas envie que mes cheveux soient trempés de sueur. Genre sans deck. Bon, il y a vraiment des trucs où je rigole vraiment pas. C'est bon, j'en ai 4. Hein? Pardon, mais j'en ai 5. Que t'es pas pigé. Ah, à moins que. On va l'améliorer là. Adamantine. Ok. Ah non, on en a 4. Donc j'allais, j'ai pas celui. Attendez. Il manque la machine Omega. Les 10 trésors. Mais je crois que j'ai déjà obtenu. Attendez. Comment on obtient ces trucs, ces merdes? De nouveau. Better put this in the mail. Ah, attends. Je sais plus si je l'ai eu en fait. C'est fou mais je sais plus. On va en acheter plusieurs. Hein. Ah, oula. Peut-être que j'achète. Attends, on va acheter un hyper, vas-y. Une tente, vas-y. Rien te fasse. Clavier bon, putain, on en a plein ça. Ça, c'est la joie. Il y a intérêt qu'il n'y en ait pas 3000 comme ça, ça coûte très cher les trucs comme ça. Avec la glaciale. Eh mec, j'ai mal au porte-monnaie là. Ok. Ah, ça nous en fait pour nous après, je suis d'accord.
Je crois l'avoir eu, hein. Je suis pas non plus. Je suis sûr de l'avoir eu. Vraiment, je suis sûr de l'avoir eu. Attends, ça coûte cher à chaque fois. Attends, on va concentrateur. On va retourner. Il y a un coffre dans le monde final. C'est bizarre parce que les 80 emblèmes fétiches, je les ai eus. Hein. Le défi des. Mais c'est. Je l'ai eu, hein. Je suis désolé. Enfin. Les défis de cette fin testée, je les ai eus. Le truc, c'est je sais pas. Il y en a, j'ai pas eu vraiment tout. Peut-être que j'en ai que 4. Et à ce moment-là, ce sera un peu la merde. Ah non, le final. Je suis sûr de l'avoir pris, mais on sait jamais. Attendez, est-ce que. Voilà, je suis pas fou, je l'avais. Donc j'ai pas eu les 7 fantastiques. Ah, parce que pas 3 fruits. Parce que pas 3 fruits. J'ai compris, d'accord. Ok, bon. Alors, où est-ce que j'ai eu 3 fruits alors? C'est là où j'en ai eu aucun. Voilà. C'est quoi ça? Non, c'est mon truc pour mon challenge livresque. Ça, c'est une feuille vierge ou pas? C'est pas vraiment vierge, mais bon. Bon, ce qu'il faut que je refasse, il y a le griotte déjà. Fraise, putain. Ah oui, il est chiant, fraise en plus. Putain, enfin, je les refasse tous, ça va être chiant. Orange, sanguine, c'est la seule, donc oh putain, en vrai, je les ai tous loupés, quoi. Raisin, j'ai réussi. Melon, oh là, en fait, je les ai tous loupés, quoi. Pastèque. Ah ouais, mais en fait, je les ai vraiment tous loupés, quoi. J'en ai loupé 6 sur 7. Sérieux? Oh, oh là là. Oh, l'enfer, quoi. Non, non, non. Je suis trompé de truc. Putain, je pue la sueur, quoi. Oh, je suis dégueulasse. Il pue. Je transpire partout, quoi. La mission consiste à défendre le fort des invasions de flancs à l'aide des canons. Frapper les canons pour envoyer d'un boulet. Il est possible de déclencher tous les canons en une seule fois.
Ouais, d'accord. Bon, on va essayer de faire. Alors, raisin, je crois que c'est un des plus simples en plus. Raisin, je l'ai eu. Et oui, en plus, raisin, c'est le plus simple. Donc, bien sûr que je l'ai eu. C'est quoi ça? Bon, on va faire cette terre sale. On va aller faire pastèque, vous savez quoi? Attends, je sais, en fait, je sais même plus ce que c'était le but à la base. Cerise, on a à le refaire. Hein. Mais non. Il y en a vraiment 7. Ce que je me dis, c'est bizarre. Fraise, orange, banane. Genre, attends. Ça m'énerve. On va aller faire cerise, mais c'est bizarre. Ça semble juste pas l'avoir eu, quoi. Voilà, belvédère. C'est bizarre parce que je me souvenais pas l'avoir utilisé à la base. Oh, c'est ça. Oh non. Ah, c'est griotte. Ah ouais, donc non, on l'a pas fait. C'est sûr, je me suis foiré, d'accord. Ah oui, mais d'accord. Ouais, mais attendez, il dit cerise aussi. Et attends, mais il faut avoir un niveau combien à chaque fois? Alors attends, je suis à combien de minutes? Je suis à 42, je vais m'arrêter là pour cette partie. Je vous retrouve dans demain pour la suite. Ah, bye bye tout le monde.